Salut tout le monde, salut, j'espère que ça va bien, salut Dr. Jones. Bon vendredi à vous et bon week-end, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici ça va, on ne s'est pas vu dimanche, mais on... Ok, musique a coupé un peu brutalement. On ne s'est pas vu dimanche, salut Calmandris, comment ça va? Je t'ai pas encore fait ton colis, mais je ne t'ai pas oublié, je suis en train de voir pour éventuellement... j'ai une copine qui va en France le mois prochain, je vais voir si elle peut pas me prendre le colis pour le poster. Si tu pouvais me faire la liste des mondial relais que tu as à proximité, que je puisse regarder pour préparer l'étiquette. Et hop là, comme ça je pourrais t'expédier ton lot. J'espère que que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va se faire du Zelda ce soir, mais avant je voudrais vous montrer ça. J'ai un peu craqué là, j'ai commandé ça, je suis tombé, donc je voulais voir. Je sais qu'il n'y a pas d'urgence, mais comme ça c'est fait, bon, je suis content. C'est un peu dommage de te faire gagner ce lot et de l'exposer derrière moi, donc voilà, je voulais voir. Mais je voulais, voilà. Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Comment s'est passé votre semaine? Toi, tu n'as pas streamé, je crois que donc hier je n'ai pas streamé parce que c'était il y avait le rugby, aujourd'hui non plus. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ici on a fait une journée cow-boy dimanche, c'était assez lunaire, enfin c'était vraiment cool, le rodéo était vraiment chouette. Après tout ce qui était autour c'était drôle dans un sens où j'ai vu un certain nombre de personnes et tu te dis mais ça n'existe que dans les films, les gens comme ça, et en fait non. Et ce soir flemme, eh ben écoute c'est bien aussi la flemme, moi là ce soir là, donc la semaine était passée. Vendredi prochain il n'y aura pas de stream, mes parents arrivent donc je vais aller les récupérer à l'aéroport et ça va être un poil ralenti sur les 2-3 prochaines semaines. Mais on devrait continuer et puis reprendre plein rythme d'ici novembre. Et après on aura le break de Noël à partir du 21 décembre jusqu'à la rentrée où je rentrerai en France. Entre ça, je vous ferai gagner la Dreamcast. Il faut que je voie ici Terry a eu le temps de la blanchir. Et normalement, elle doit passer au bac pour se faire une petite beauté. Mais des petites nouvelles de mon côté. Normalement, je vais pouvoir vous streamer de la PS5 via le Remote Play. Il faut que je voie si ça fonctionne correctement. J'ai acheté un routeur Wi-Fi IPv6, donc ça devrait fonctionner. Hier, le test était pas si mal. J'ai commencé un peu à jouer à la Xbox, à la série X que j'ai reçue. Je jouais vite fait à Ghostwire Tokyo. Même si le gameplay est pas ouf, il est un peu trop sensible. Il faudrait que je le règle un peu, quoi. Et voilà, on continue un petit peu, toujours les petits projets, on a continué les répétitions pour le théâtre, c'est assez cool, vraiment la pièce me donne envie de jouer, chose que je n'aurais pas espéré avant. Le théâtre a été quelque chose qui m'attirait pas du tout, mais là j'ai eu un vrai coup de cœur avec la pièce et ça me file envie, Ah si! Chose très drôle, j'ai reçu mon hub HDMI pour faire parce que je suis un peu maniaque du branchement. J'ai reçu plein de trucs pour faire du câble management, des trucs comme ça. Et je branche le truc, ça marche nickel. Top, ça marche bien et tout, je teste ces trucs, parfait. Je débranche le truc, je le rebranche, enfin je commence à faire passer mes câbles et tout, je rebranche le truc. Il n'a plus voulu fonctionner. Le truc a marché littéralement 5 minutes et puis il a grillé. Donc ouais, écoutez, on est passé. je l'ai renvoyé à Amazon. C'est ça qui est bien aussi. J'ai pu le renvoyer à Amazon. Alors avant qu'on commence à jouer un petit peu à Zelda, que vous me racontiez un peu votre semaine, je voulais vous montrer vite fait. Donc, parce que oui, j'ai un poil craqué pour l'Orcana. Et je me suis pris deux decks, un pour moi et un pour ma femme, pour qu'on puisse jouer ensemble. Je voulais qu'on voit ça un peu ensemble. Alors si je passe sur la scène de craft... Attends, elle va pas vouloir s'afficher. Alors, il faut que j'aille sur... Hop. Stepcam verticale. Hop.
Tu veux pas? Tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Chaque fois elle me fait ça, elle. Ce truc qui vient de cacher devant. Non, 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 non. Ça devrait pas. Alors pourquoi tu ne veux pas t'afficher, madame? On va la débrancher, la rebrancher. Très fluo, on va rester comme ça, on va afficher, hop, la carte, on va zoomer un peu sur les cartes. Alors est-ce que j'ai le bon, j'ai pas l'IP. Ok, on est bon. On va s'allumer. La petite lumière. On peut rester comme ça, c'est très bien. Vous pouvez vous montrer ça vite fait. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu de cartes. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça. J'ai trouvé la finition plutôt bien et le... j'ai pas eu encore le temps d'y jouer, mais le type de règle est vraiment entre Magic et, on m'a dit, Pokémon. Alors Pokémon, j'y ai jamais joué, vous m'excuserez, je connais pas bien. Et je trouvais que les starters étaient bien foutus aussi, parce que ça, il faudrait que j'achète un protège deck et que je les protège. Mais voilà, vous avez des, avec le truc, des jetons de dégâts pour vos créatures. Également, également une sorte de comment dire, de plateau de jeu qui vous permet après, avec ce jeton là, de compter vos points de vie. Alors c'est pas vraiment des points de vie, jusqu'à l'inverse de Magic. Magic commence à 20 points de vie puis le premier qui a 0 est mort, et là c'est l'inverse, on part à 0 parce qu'on doit collecter des éclats de l'or et on doit monter jusqu'à 20. Donc je trouvais ça pas mal. Il existe également, c'est ça que j'ai trouvé ça sympa, ils ont bossé sur une application. Alors, attendez, je vous le montrer, hop, on va montrer l'application. On fait également une application qui mérite à être améliorée, mais qui est déjà avec un bon départ. Donc vous avez les news, etc. Vous pouvez vérifier les cartes que vous avez. Par exemple, si je passe sur la collection, j'ai bien rentré en fait toutes mes cartes que j'ai avec la quantité. Seul truc que je regrette, c'est que, alors, il faut voir qu'elle est brillant, et en fait, il vous affiche comment elle est quand elle est brillante ou quand elle est normale. Mais quand tu l'ajoutes en brillante, genre tu fais ça et tu l'ajoutes, ça te l'ajoute comme une normale, il n'y a pas de différence dans ta collection. Tu dis pas, celle-là tu l'as en brillante, t'en as genre une en brillante et deux en normale. Donc ça, c'est, je pense, c'est un truc qui mériterait d'être amélioré. Mais voilà, donc là je pense que je vois. Et peut-être la possibilité de partager. Parce que là c'est bien, donc je sais tout ce que j'ai dans ma liste.
mais ça pourrait bien pour les collectionneurs de noter, de faire un faire un partage et de l'envoyer à un ami pour dire bah tiens regarde moi j'ai ça en double, fais tes courses, je peux t'échanger ça. Là il y a également celle qu'on peut se mettre en liste de souhaits. Et on peut également construire un deck, c'est-à-dire que si un deck qu'on aime, on peut rentrer ces cartes-là. Et la prochaine fois, on va dire, bah, tiens, je veux le deck anti Jean-Michel. Et il va te dire, bah, telle carte sera partie de ton deck, ça va te permettre de gagner du temps et pas refaire ton deck à chaque fois. Mais il y a également la possibilité donc de compter sa partie comme ça, donc c'est à dire que ouais, tu commences à chacun à zéro, tu joues avec ton téléphone sur la table et puis dès qu'on chacun là, gagne ses trucs, c'est pas grand chose, c'est tout con mais ça permet, bon c'est plutôt cool quoi, t'aimes clair comme sombre. C'est plutôt une bonne idée, et là bien sûr il y a les règles, si jamais il y a une question, il y a les règles du jeu. Les règles sont... Oh, non, on va pas bien, c'est trop lumineux. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà les règles, on voit les règles du jeu. Voilà pour l'application. Donc j'ai trouvé plutôt bien, il y a des améliorations à faire bien sûr, mais c'était plutôt pas mal. J'ai plutôt hâte de tester une partie. Et là donc je voulais vous montrer un des decks. Alors, j'ai des cartes un peu mélangées parce que j'ai mis ça c'est les cartes que j'ai eu en plus dans des boosters. Et je trouve que les cartes sont quand même assez cool, avec beaucoup de personnages de Disney forcément, mais avec un design quand même assez craqué. Et donc voilà, comme Magic, vous avez des types de cartes, créatures, etc. Avec... comment dire, avec un texte qui sert à rien et qui est juste fun. Et également donc les règles de la carte, ses consignes. Et à la différence de Magic, en fait, vous n'avez pas de mana. En fait, vous sacrifiez des cartes pour en faire des manas. C'est-à-dire que celle-là, vu qu'elle a un contour, si vous dites voilà, je vais m'en servir comme mana, à chaque tour, on peut en poser deux, je crois. Vous la retournez, c'est plus Elsa, c'est un mana. Et vous en servez pour engager d'autres cartes. Il y a 2-3 cartes comme ça que j'ai trouvé plutôt cool, que j'ai eu. Si par exemple, les cartes brillantes sont pas vilaines, sont plutôt bien foutues. Voir si j'en trouve un, parce que genre j'ai un Aladdin brillant qui est assez cool. Alors. Ça c'est des cartes que vous avez à chaque fois. La petite Cruella dorée, enfin en brillante, elle est quand même assez classe. Quelques cartes en double, je trouve que la façon dont ils ont fait le deck, j'ai l'impression qu'ils ont pris le listing, ils ont dit tiens je te mets 3 de ça, 3 de ça, 3 de ça, et t'as 60 cartes comme ça. On verra la suite, hein. J'ai quand même pas mal de doubles. Hop. Et ça va occuper un temps de recevoir mon zombicide. N'est-ce pas, l'Aladin qui est quand même... Oh, parce que si je lui mets la torche, vous allez mieux voir le brillant. Waouh, trop violent. Ouais. Par rapport à... On voit pas bien la différence entre une dorée, enfin entre une brillante et une... C'est assez subtil la caméra. Le seul regret que j'ai malheureusement. La critique que je lui ferai par contre, c'est que c'est Ravensburger qui a dit ça. Et ils ont mis des règles sur leur site. Ce qui est très bien, ils ont fait des petites vidéos sur leur YouTube, ils ont mis des vidéos avec les règles, c'est plutôt cool. Par contre, ils ont foutu toute leur langue sur le même YouTube.
Et il n'y a pas une play. Alors déjà, les vidéos sont pas à la file d'affilée. Et il n'y a pas une playlist. Moi, j'ai réglé le truc, je me suis fait une playlist perso. Je me suis fait une playlist perso avec les règles, avec les vidéos dans l'ordre. Mais il mériterait de faire juste une petite playlist. Franchement, ça réglerait le problème, mais tu es obligé de les chercher à part. Bon, j'ai mis la première vidéo avec la table des matières en pause. Genre, attends, il y a telle vidéo. Alors, c'est celle-là. Attends, je vais la foutre là. J'ai ouvert tous les onglets, je vais ajouter une playlist. Et bon, les gars, CM de Ravensburger, je pense qu'il pourrait faire ça, quoi. Mais, table de blabla, on va se lancer dans le jeu, on va allumer la Switch, et on va passer là. Voilà, parfait, on met la manette, ça sera pas mal. T'es en train de me dire que j'ai F099, parce que je crois que madame a payé l'abonnement. Attends, écran, il faut que j'ouvre la Switch. Ta-ta-ta. Ok. Si on avait... Attends. J'ai accès à ça ? C'est où qui est là ? Ah, mais il faudrait que je me connecte chez madame. Elle. Connecter à son profil. Ça se voit que j'y vais souvent sur le Switch Online. Ah bah il faudrait que je me connecte avec Adeline. Ok. Et elle, est-ce qu'elle a un abonnement? Ah oui, elle paye. Ouais. Paye pour elle. Et Bibi. Chargé, hein. Bon, on y est. Qu'est-ce que ça donne avant de commencer Zelda? Ok. Me l'a téléchargé. Et sinon, comment ça se passe? Pas juste pas télécharger. Ouais, 5 minutes. On s'attend 5 minutes avant de se lancer. Au revoir. Allez.
récupérer. On va se passer sur la cam en attendant, et puis on se lancera dès que sera commencé. Bon, et comment ça s'est passé le match d'hier, et qu'est-ce que vous me racontez de beau? D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut toujours qu'on se fasse la séance de modding sur la Neo Geo. Là, je pense que ça sera un peu plus sur cet hiver. Juste la motive cet hiver pour nous lancer sur du modding de la soudure. Je suis pas totalement convaincu par la coque que j'ai achetée, mais bon, je pense que ça peut être sympa de mettre un écran IPS sur la Neo Geo, même si malheureusement je n'ai encore pas de flashcard qui me permettra de jouer à tous les jeux que je veux. J'en ai juste une qui permet de lancer 2-3 jeux et puis ça ira quoi. Et puis on a, il se perd le nouveau Lego aussi. Le nouveau Batman. Il faut que j'aille acheter la Batmobile pour qu'on se fera bien sûr en live. Il faut que je m'arrête au Lego Store. Mais je pense que tout ça se fera après la visite de mes parents. Je vais essayer de prioriser la visite, le fait que mes parents soient venus me rendre visite. Et voilà, 3 minutes. Et c'est long quand même. C'est bon, c'est bon. Mais les nouvelles n'ont pas été à Folichon. J'attends toujours bien sûr mon zombicide. La VM2 devrait arriver, mais... Le tracking est pas foufou, ça fait un bon mois que le truc, ouais, presque un bon mois que le truc est parti, et le tracking avance toujours pas. Le gars nous rassure, mais c'est long, c'est pas aussi long qu'un zombicide, mais c'est long. Et j'ai très très hâte bien sûr que le Recalbox et RGB Jama arrive. D'ailleurs, en se parlant de ça, est-ce que l'un de vous aurait un full set cave? Faut que je me note parce que j'oublie toujours de regarder, parce que maintenant que c'est compatible avec le Raspberry 4, ça peut nous ouvrir un certain nombre de petits shoots bien sympatoches, et ça peut être cool à se faire du cave. C'est des jeux d'arcade qui sont pas... Si trouver ça, ok. Sinon, si j'y pense, je vais regarder, mais il faut juste que pour l'instant là, je viens d'y penser. Et à chaque fois que j'y pense, je suis pas à la maison, et forcément, arrivé à la maison, j'y pense plus. Et est-ce que vous avez vu donc ce projet de musée du jeu vidéo fait par ICI Japon? Je vois que tout le monde est à fond, mais je connais pas bien ICI Japon, et du coup, je suis un peu dubitatif pour le moment. Ils avancent bien, je crois qu'ils sont déjà à 500 000 euros, mais est-ce que c'est mon esprit un peu prudent? Ils ont cassé le site depuis le premier jour, ils râlaient un peu, j'ai vu sur Twitter, mais vous les connaissez un peu ici Japon, c'est des gens fiables ou comment ça marche? Mais c'est plutôt bien pour eux, mais je ne sais pas si je participerai à ce crowdfunding. Allez, plus qu'une minute. Et on y est. C'est parti. On va passer. Hop. Je regarde les vidéos d'Explo de Tev. Alors, bon, l'idée est là quand même, hein. Ça va être un bordel. Ok. C'est pas vilain, c'est vraiment le... Enfin, c'est pas juste un portage du jeu et tout. Ok. Alors... Piloter, ok, turbo, accélérer, glissade à gauche, glissade à droite. Aïe, ok, d'accord. Oh, c'est de l'urbex au Japon, c'est cool ça. Ouais. Ah,
jusque là ça va. Oula. Toujours si bon moi. Mais... Alors, ok, hop. C'est une patinette le truc. Ça c'est bien aussi de parler des trucs moins cool du Japon. D'ailleurs vous avez vu l'arrestation de Johnny Somali là. Hop là. Bien qu'il soit fait choper lui, parce que ça avait l'air d'être un sacré douchebag. Ok, alors attends, pour récupérer des super étincelles semées par les transporteurs dorés provenant d'une collision entre machines remplies super jauge, ok. Alors. Ok. Ah ouais. D'accord. Ok. Oui, oh, le punch. Il y a un mec qui a fait. Le mec a fait une edit où il y a. Je crois qu'il a ajouté des bruitages ou un truc comme ça. C'est très très bon ça. Allez, on va tester une partie puis après on partira sur Zelda, ok? Les musiques sont quand même très cool. Allez, Mew City. Ok. Ok. Hop, putain. Ouah. Je sais pas si je vais finir la course, hein. Oh putain. Ça pue pour moi. Alors. Attends, j'ai qu'il y en a qui va exploser déjà.
Oh putain. Ok, on récupère de la vie. Oh putain. Concentration de l'extrême. Ouais. Bon, c'est plutôt fun. Troisième, je m'épate moi-même. Ok. Bah écoute, ouais, merci. Bon allez. On va retourner sur Zelda. Plus trop vite. Option. Qui c'est logiciel? Voilà. Allez, on est parti. On est parti dans Zelda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en direction de l'arbre Mojo. Ce sera notre mission aujourd'hui. On avait fini donc vendredi dernier. On avait débloqué le cinquième sage. Et donc là voilà, on se dirige vers l'arbre Mojo. Au fin fond des sous-sols là. Donc on a débloqué le mecha. On est là, j'ai mon petit mecha qui va bien. Est-ce qu'on peut le... On peut pas grimper dessus? On peut pas grimper dessus, bon. On avait le boss qu'on a frité la dernière fois. Est-ce qu'il y a des trucs cachés là ou c'est de l'eau? On va en profiter, t'as. Hop. Ça servira toujours, ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai d'autres épées que je peux... Ça s'est fusionné. 17? Ah bah 19, ça. Hop. Mais toi aussi. Ah ah. Ouais, avec juste de la flotte, avec quelques âmes là-bas, c'est pas très grave. Bon. Mais c'est que c'est bouché. Allez, on sortir. Et voilà. Donc le cinquième sage. Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer le golem de Mineru. Et donc voilà, maintenant, le golem... Hop! Je peux grimper dessus. Il faudra que je fonce un peu, que j'augmente un peu les batteries. Alors, par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un... On est vraiment dans une partie de la map qu'on connaît pas bien.
Et alors, est-ce qu'il y aurait pas... Eh ben, il y a un sanctuaire là, on va aller se faire une petite racine d'abord. Tac. D'accord, hop. Ok. Alors hop, on va prendre une... Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, là il y a un méga mur. Si je passe par là, ouais, j'aurais pouvoir descendre en passant par là. Hop là, loupé, c'est bon. Va y avoir. C'est tout le coup de sac. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah ok. Il n'a pas fait long feu, c'est pour ça. Il me prévenait. Sympa. Il me prévenait qu'il était en danger. Enfin, que j'étais en danger. Non, je devrais pouvoir y aller. Hein. Il va y avoir de la grimpette. Oups là. Je vais pas du tout dans la bonne direction, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas du tout si je vais dans la bonne direction. C'est, écoute, c'est pas grave. Hein. Oh, c'est bon, vous êtes chiant, les gars. C'est pas que je suis occupé. Un peu de sodium. Hop. Hop, on grimpe. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va pouvoir monter là-haut. Alors. On va finir par arriver à la bonne direction. Avec tout ce que j'ai comme endurance là. Et...
interrupteur. On devrait pouvoir monter par là, non? Enfin, Attends, hop, ça. Ah, déjà ça. Ok. Là, je vais dans la bonne direction. Mais je suis quand même à perpète les oies. Et je ne vois pas pour l'instant de racines. Pas très encourageant. Cette direction là, ouais, faut que j'aille dans cette direction là. Eh ben c'est parti, écoute. Allez, grimpe à gauche, c'est bien. On va essayer de. Putain, c'est loin. Ok. Alors. Ok. Là, si je vais là, je vais toujours dans la bonne direction. Juste que je vais pas me heurter à un mur juste là. Ça pue quand même un peu. J'ai la méga falaise quand même. Contourner un poil. Là, c'est un cul-de-sac. Sans le cul de ça quand même. Et là je reviens dans la bonne mauvaise direction. Bon. On va tracer. Ok, alors. C'est encore un cul-de-sac. Alors, je retourne dans la mauvaise direction. Hein. Je pense qu'il faut que j'aille. Je suis allé vers là. Il faut que j'aille vers là. Rebrousser chemin, on va aller un peu dans l'autre sens, on va essayer.
Alors, donc je suis allé vers là, on va essayer d'aller vers là. Bon, ils sont là, on va les prendre. Hein. Bon. Est-ce que là ça me laisserait passer à gauche là? Est-ce que ça mène quelque part par là? Ça a l'air non? On va contourner un peu. Récupérer à la surface. Non, 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 non. C'est plus un peu grave. Parce que là, je vois. Ça, je vois cette racine là. Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par là-bas? Sacré débouli ça. Ça c'est clairement un obstacle. Une bombe. C'est assez rare pour ne pas la prendre. Est-ce que... Putain. On va le laisser dormir tranquille lui. Je me dirigerai, salut. Ouais, je devrais me faire des plats à place de fleurs radieuses, ouais, mais c'est vrai que enfin, j'ai plus rien à bouffer, et ça fera partie d'une des prochaines missions, bah, de me faire un peu abecter, parce que j'ai plus rien. En tout cas, là, j'ai l'air d'aller dans la bonne direction. Là, il y a des petits copains, on va les éviter. Un peu de hauteur et on va essayer de planer le plus loin possible. Alors. Si je grimpe jusque là, qu'est-ce que ça donne? Alors, déjà, ça me donne que j'ai un autre arbre juste là.
J'ai l'air d'avancer par là. En tout cas, j'avance pseudo dans la bonne direction. Faudrait que juste plus que j'aille là, à droite. On va se mettre à l'atelier du mineur, mais... Même si je le trouve pas non plus. Ok, c'est un mur. Alors. Et hop, et bon. Je suis comment là? Je suis complètement à la ramasse. Ah mais il y a une rivière là. Ok, il faudrait que j'aille jusque là pour traverser. Et là je vais avoir un sanctuaire. Alors. Ok. Allez, on va allonger jusqu'à la rivière. Alors, hop là. L'arbre bolos. L'arbre mojo, tu veux dire? Bah après, c'est scoopé ça, on va aller le voir en fait. Après avoir ouvert allumé la lumière là, on va aller voir l'arbre mojo. C'est lui dont tu parles. On est presque. C'est pas mal. C'est pas mal, donc on est là. Ok, il faut que je continue un peu tout droit. Ouais, c'est un peu. Ça va être notre prochaine mission, l'arbre mojo. Hop. Ok, c'est un mur. C'est pratique d'utiliser la carte du dessus en fait pour se guider. Ah bah là voilà la racine. Bah il y a le jus d'orange. On y verra tout de suite mieux avec la racine. Il y a de l'eau par là. Je vais réussir à reprendre. Alors. En fait, je vomis tout le temps.
Allez. Voilà. Mais bon, allez, ça c'était l'objectif, c'était de se faire cette racine-là, histoire d'y voir un peu plus clair sur la carte, et on va après remonter, enfin faire un peu la cuisine, et on va monter voir l'arbre Mojo. Ok. Il reste quand même un petit peu rectum. Il y a des ruines en bas. Donc ça donne quoi, non? Il m'a rendu mes cœurs, c'est cool, c'est gentil. Ok. Bon. On va se téléporter à la surface, on va aller directement. Je suis comment au niveau des bombes? 50 bombes, on va peut-être acheter quelques bombes. On va aller d'abord. On va aller là. Hors de guet. Hors de guet et on va se faire un peu à manger un truc. On va aller direction l'arbre Mojo. Petit temps de chargement. C'est calme. Allez. Donc, toi, on va t'acheter. Déjà ça. Ok, alors où sont tes frères, non? Parfait. Allez, on peut lui lâcher des esprits. Voilà, trop. Allez, 11 bombes supplémentaires. Ok. Faire à bouffer. On va descendre là-dedans. Déjà, je peux peut-être me faire un... Garde de cœur en plus. Ah non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Alors, à bouffer. Hop. Okay.
attaque, ok. Fleur radieuse. On va se les garder pour buter quand même. Putain, je l'ai un peu dégueulassé. Ah. Et... Champilam. Alors on va continuer à faire à bouffer. Glaglin, on s'en fout, piment. Attends, non, retirer. Et... Okay. Est-ce qu'on peut prendre? Ça va faire Céleste. Pas grand chose. Lumos, s'en fout. Ouais, pas trop mal là. Pas trop trop mal. Attends, on va faire juste un petit plat pour monter la vie. Je me raconte. Voilà. Chèque de champi. Alors. Direction l'arbre Mojo. Il se trouve par là.
Est-ce qu'on va pouvoir y passer par la forêt perdue ou il faudra que je passe par en bas? On va essayer d'abord d'aller à la forêt perdue, et puis après on va voir ce que ça donne. Les bois perdus. Ça commence bien. Ok, bon, je pense que je vais pouvoir passer pas par là. Non, il y a plus de village Kokiri. Ce que je sache. Non, bon, ça veut pas. Moi, ce qui me faille une torche. On va passer par en bas. Non, rien à foutre. Rien à foutre. On va se mettre là. On va aller au sous-sol. Ok. Si je vais là. Temple du feu. Là, il y a une abîme. Bon. On va passer par le sous-sol. À tout à l'heure. C'est jusqu'à là-bas. J'y arrive, avancer jusqu'à là-bas, ce serait pas mal. Pas bon quand même, je sais pas si j'y vais arriver. Alors. Et petit arbre qui est pas l'air sympa. Bon. Alors. Ça se voit que je me cague dessus.
Ok. Bon. Déjà, ça c'est fait. Une petite musique qui me plaît pas là. Ça là. Me plaît pas ça. Ok. Ok, ok. Alors. Ouais, les mains valeureuses de Ganon, ouais. Je les vois pas pour l'instant. Ah, j'ai où là? C'est quoi ça? Eh hey, salut papy, comment ça va? T'as fini ton stream ou tu peux juste faire un coucou? Hop là. Ok. On est toujours une partie que je ne connais pas, si. Déjà venu là? Non. Ok. Alors. On se fait le plein d'esprit. On prend une autre arme à la con en attendant. Ouh, sans ça. Bon ça. Grande forêt d'Hyrule. Les lave-linges durent plus longtemps avec Algon. Chant de four. C'est affreux. Bah, si je passe par là, je devrais retomber. On va essayer. Si je prends ce truc là, je vais m'en trouver au milieu de. Au milieu de la forêt des perdus. Comment ça se passe? Pas de pressé, hein. Aha! 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 L'arbre Mojo. Ok. Ils ont pas l'air d'avoir la forme, c'est quoi au bout là? Hop, silencio. Un petit sanctuaire.
Je suis arrivé tout seul. Alors, déjà se faire ça, c'est quoi? Suspension. Suspension. Ok. Ok. Jusque là, ça devrait aller. Ah, attends. Bon, j'ai ça. Alors. Je crois que l'arbre au jeu, il va avoir un petit coup de sécateur. Hein. Voilà. Ah oui, tu m'étonnes. C'est qu'on va faire ça. Alors attends. Ouais, je prends une bombe. Hop là. Voilà. Là, le but était quand même d'aller se faire la remojo, donc on va... Allez, petit quart de cœur. Enfin, une petite pause pipi après. Allez, comme ça on est à fond. Bon. Ok. Nous sommes au cœur de la forêt. Bon. Allez, parler à l'arbre mojo. Voilà. Oh, mes entrailles. Ok. Ouvre. Alors. Oh oh, mes entrailles. Il dit que ça? Ouais, mes entrailles. Ok. Il est pas en forme, non. Allez, on va lui tripaturer les racines. Allez, où l'entrée? Allez, vénérable arbre mojo, penchez-vous et toussez. Elle est où l'entrée de la grotte? Flip.
Allez. Ta-ta-da-ta-da. Par où on entre? Bon, je vais choper une vieille mycose. C'est pas par là. Non, là on s'éloigne. Ouais, là on s'éloigne. Là on s'éloigne. Eh merde. Allez. Je suis où là? Ok, je suis au début. Ok, bon, il faut que je revienne. Bon. Mes entrailles, mes entrailles. Y a pas quelqu'un qui veut me parler là? Allez, une rouge. Ah moi non plus, j'ai plus le texte. C'est parce que j'ai battu la phase Zelda. Pas me parler hein. Ah l'entrée est là. L'entrée est là. Ah. Souhaitez-moi bonne chance. Hein. On est parti. Ok. Leur coup. Ils ont prévu leur coup. Allez, c'est parti. Tiens.
Allez, c'est parti. Ok, allez. Attends. Ok. Alors. Putain. Alors, attends, je panique. Tac, on va prendre la meilleure arme qui fait 99 là. Aïe. Allez, c'est bon. Allez, tac. Alors, attends. Alors, attends, tu en penses que la théorie que tous les Korus sont des Kokiri possible, possible, oui, une sorte. Bah, je lui ai bien fait mal avec cette arme-là déjà, mais. 19. C'est bon, pas besoin d'une meilleure arme, je l'ai poutré. Ah, j'avais une arme à 99, c'était pas dégueulasse quoi. Ah, ça me fait plaisir, il me faisait peur depuis le début du jeu lui. Les gens touristes qui arrivent en hélicoptère là. Il a battu, merci pour tout. Le vénérable Armozo t'attend dans le forêt Korogu. Oui, ils doivent être les Korogu. Où est-ce qu'il me lâche en forêt? Oh, radin. Alors. J'ai une arme dégueulasse là. Une petite flèche. Bon, je vais me téléporter. Mais bon. On va pas tout remonter à pied non plus. Et on va aller faire un petit pissou. Il fait plus sympa niveau temps. Voilà, juste je mets ça en pause, mettre un peu de musique et je reviens dans un instant.
moins difficile que ce que je pourrais m'attendre, en fait. Bah après, mieux équipé, avec plus de cœur aussi, c'est plus facile, hein. Ah. Voilà. La musique qui va bien. Bien joué la playlist. Ok. Allez, ouais, cette odeur, je sens tes noix. Bah, ça va, ça se fait pas, non? Putain, il est pas donné, hein? Un comportement en plus. Je préfère vous voir plus le chat. Ouais, c'est bon. Hop. Tellement sexuel quand même. Parce qu'il me sent les noix, en plus qu'il finit par une... C'est moi qui ai l'esprit mal placé ou comment ça se passe? Ok. Ok, ok, ok. Allez, on va parler à l'arbre, bonjour. C'est toi. Pardonne-moi, j'ai la sensation de m'éveiller d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de ta sollicitude. Je suis de nouveau moi-même. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu? Et comment ça va? Et ta cousine, ça va bien? Et ta Suzanne? La dernière fois que je t'ai vu, tu venais chercher l'épée de légende aux côtés de la princesse. Ouais. Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. Un peu plus sûr. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. Pas de soucis, j'ai rien branlé. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore? Ouais. Mettez un laser et des canons. L'épée de légende. Comme il se la raconte! Mon garçon, ton avenir est encore sombre et incertain, mais au moins, tu as l'épée de légende entre tes mains. Ton épée, ah, il n'émane une puissance sacrée encore plus grande qu'auparavant. Que s'est-il passé? Quoi qu'il en soit, je ne dois pas te reposer... Attends.
Tu ne dois pas te reposer uniquement sur sa puissance. Prépare-toi du mieux possible. Je serai toujours ici. Tu prends racine, hein? N'hésite pas à revenir me voir si tu as besoin de moi. Ok. Ça va être une tenue un peu sympa quand même. Il ressemble à rien, Jean-Michel, là. Ceinture par là. Échappe à ce brouillard à la con. Oh, c'est chiant. C'est par là. Oh. Alors. Ok. Essayer de passer par là. Alors, c'est vrai, c'est pas d'aller là-bas, ça avance. Là-bas où ça? Là-bas devant l'endroit spécial que je connais. C'est une sorte de clairière dans la forêt, une spirale verte au milieu. C'est pas tout, tu peux voir une île flottante dans le ciel. J'aime beaucoup. Attends, clairière est un mitouflé dans le brouillard perdu les gens. Alors, je pense que c'est toi. Je vais quand même te dire. Ok. C'est là. Tu peux voir une île flottante dans le ciel. Ça se trouve depuis cette île. Tu peux voir dans la. Je veux pas rentrer hein, dans la forêt. Bon, on va essayer de se rapprocher de son truc là. Non, je peux pas y rentrer du tout. Alors.
pas un truc, je peux me téléporter par là, ouais. Est-ce que je peux y arriver par les airs? Je sais jamais. Par là plutôt? Ouais, par là. Ok. Ça c'est fait. Ah bon, plus une bénédiction. Ok, c'est gentil. Et en plus, je récupère tous mes cartes. C'est pratique. Comment on dégage la brume sur ce truc? Ah. Hey, t'es même pas un Korogo et ça réussit à venir jusqu'ici? Ici, c'est mon endroit préféré à moi que j'ai trouvé. Je viens ici tout seul, tout le temps, de temps en temps, quand je pensais trouver d'autres gens. Alors. Ah, il y a le lac de Saria par là. Ouais, je vais quand même faire voir. C'est quoi la technique pour échapper au brouillard? On va se téléporter là. On va essayer d'aller au lac de Saria. Chez le brouillard. On va voir comme ça ou quoi? Alors. Eh ben, il est juste en bas le lac de Saria. On va y aller. Ah les bâtards, les salauds. Les salauds. Ok, il y a une partie de la forêt qui est pas trop embrumée.
que si je resserre là, je le sanctuaire sur ma gauche, ok. Non, bon, elle veut pas. Je vois comment me déplacer dans le sanctuaire, enfin dans le... dans les bois perdus sans me faire emmerder. En attendant. Marée de Mio. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors... qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quête principale, alors chose est là. Merde. Ça c'est fait. Ça c'est le château. Alors, l'invasion pirate. Invasion pirate, ça a l'air pas mal ça. C'est par là, on va se téléporter là. Sinon on va mettre 2 heures. Oui, je sais, je me téléporte pas normalement. Et c'est parti. On va les bouffer du pirate. Ah non, je l'ai pas fait ça. Je n'ai point fait. C'est reparti. J'ai oublié. Oh, il devrait le savoir, hein, je lui poutrerai la gueule. Grâce à ton petit stratagème. Alors. Lequel de m'envoyer voir le château pour dire faire un bisou à Zelda. Je vois. Bon retour parmi nous. Tu as eu du fil à retordre, on dirait. Bon, je vais aller par quatre, pas par quatre chemins. Tu peux raconter tout à tout le monde ce qui s'est passé. Ok, allez, c'est parti. Je vois. Donc, en résumé, on peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi démon de la légendaire garde des Sceaux que vous avez vu au château. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usurpatrice. Et en se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans le piège du roi démon. Je le savais bien que tout ça a été de plus en plus louche. Le royaume d'Hyrule se trouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours, impossible. Le cataclysme, ces phénomènes étranges dans nos villages, les fausses princesses. Tout ça, c'est la cause de la résurrection du roi démon. Mais alors, la véritable princesse Zelda est plus dans notre époque, mais dans un lointain passé, c'est ça. Nous devons envisager que ce soit bien et bien le cas, en effet. Il semblerait aussi que la princesse Zelda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon avait ressuscité, l'un de leurs descendants s'éveillerait comme le sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse est dans le passé, elle peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. T'as qu'à demander au dragon. Et elle peut pas vraiment se battre avec tout. Sans compter qu'on ne sait presque rien sur le roi démon, à part que cet être maléfique et super puissant. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire ?
D'après ce que m'avait dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour du roi démon. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle doit sûrement laisser des indices quelque part. Ah. Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil, cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste. Ah, mais attendez un peu. Oui, c'est vrai que le golem, si ça creuse dans la conversation, ça va être pratique, ouais. Alors, vous avez bien dit que c'était le roi Raoru et les six sages qui avaient emporté le roi démon à l'égard Sau, non? Oui, oui. Bon. Feu. Les frites. La foudre. Et la princesse doit sûrement remonter le temps. Ah. Bien sûr. Hein? Comment? Bien sûr. Qu'en parlez-vous, juste? Mais oui, c'est ça. Il nous en manque encore un. Katen, le cœur! Avec son masque de la Ezoi Shot, là, le truc de... Bien. Exactement, il nous manque un sage. Voilà la piste qu'il nous fallait. Nous devons partir à la recherche de ce sage. Déjà fait! Quoi? Tu as déjà trouvé le sage restant? Mineru, le sage de l'esprit. Tu l'as... Alors, et tu as déjà même retrouvé l'épée de légende. Tu peux me le dire plus tôt? Bah, je parle pas en fait, donc... Tu avais pas dit qu'elle avait disparu, l'épée de légende? Ma foi, c'est tout à fait remarquable. Je n'aurais jamais pensé que Zelda avait tant œuvré dans, dans un passé si lointain. Elle a fait tout cela pour restaurer et renforcer le pouvoir de l'épée de légende, la clé pour triompher du roi démon. Notre princesse Zelda... Elle s'est retrouvée seule dans le passé et elle a quand même fait tout pour aider. C'est vrai que dévouée. L'abnégation dont elle a fait preuve est sans égale. Et je voulais une occasion de placer abnégation. Trois petits points, trois petits points. Je vois. Il est clair que la princesse a placé tous ses espoirs en nous. Faisons en sorte que son sacrifice ne soit pas vain. On devrait peut-être... Attends, on devrait être prêt maintenant. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, vaincre le roi démon. Link, tout dépend de toi, alors je te laisse décider du moment opportun pour lancer l'attaque. Les autres, retournez vite chez vous et tenez-vous prêts au combat final. Je vous préviendrai dès que Link aura pris la décision d'aller affronter le roi démon. Ensemble, nous honorerons les espoirs de la princesse, que la princesse a placés en nous et nous triompherons. Ouais. Allez. Je lance l'attaque jeudi, ok. Cette fois, je crois qu'on est fin prêt à aller affronter le roi démon. Bah, il manque encore une quarantaine de sanctuaires. Il nous reste plus qu'à... J'aimerais bien faire les sanctuaires d'abord. Hein. Il nous reste plus qu'à trouver où se cache le roi démon. Je dirais dans le gros trou sous le château, non? Il y a peu de chances qu'il soit encore au château du roi. Ah, ok. Et j'imagine mal qu'il soit planqué quelque part à la surface. Il doit se terrer dans les profondeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Link? Les chances qu'il soit dans les profondeurs sont grandes, hein? Oui, dans les sous le château, ouais. Bon. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, mais à ta place, j'irai voir Josha. Elle est obsédée par les profondeurs. On l'appelle Gorge Profonde, du coup. Alors, tu perds rien à aller lui parler. Je te confie la suite, Link. Ok. Simple mission. Allez poutrer Ganondorf. En cette fois-ci, on allait se faire les pirates. Oh.
Ah, il est pirate. Pirate. Allez, c'est parti. Puis après, on va s'arrêter là, je pense, vers cette mission-là, puis on va s'arrêter là. Ce soir. On continuera dimanche matin, pépouze. Bon. Comptez en un, je te conseille de rebousser le chemin voyageur, malheureusement le village n'est plus sûr. On peut le voir, le village est tombé aux mains des pirates. Nous n'avons plus rien à faire, ils ont tout saccagé. Seulement nous pouvions chasser ces vermines. L'architecte de génie que je suis s'empresserait de réparer toutes les maisons. Et ce cataclysme qui agite autant les monstres, quelle sauvagerie. Il serait trop dangereux de s'approcher du village tant qu'il reste des pirates. Eh bien, allez, poutrer les pirates. Are you, you may Alors. Fruits feu, ça va leur faire du bien aussi. Hop, oh, une petite gelée de feu. Bim. Allez, hop, on va toi aussi te mettre une petite confusion. Ok, confusion dans ta bouche. Ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai comme arme qui fait mal? Corne du chef, beaucoup d'argent. Un ruban magique à corde accroché à cette corne circulaire accélère et est acéré. J'ai une arme et augmente prodigieusement l'attaque. Ok.
Ah ça je peux pas le porter ça. Ok. Alors attends, on va monter. On va faire attaque des, dans les, par les airs. Ok. Ok. Ok, hop. Ouf. Ok. Allez. Oui, j'en recommence ce caillou, mais bien sûr. Pêcheur. Alors vous êtes tous les méchants. J'ai plus de l'épée de légende. Ok, alors. C'est vrai que ça pompe de l'énergie ça. Ah, attends, peut-être prendre un truc. Ok. Ok. Voilà. C'est lui qui tire dessus là. Merci pour les flèches. Ok. Les copains, vous êtes où?
Il y a encore un qui se planque quelque part. Eh oh! Gamin! T'es où, gamin? Tu vas pas rester tout seul dans ce bois! Allez, viens, gamin! Personne là-haut. C'était pour rire, gamin. Allez hop. Allez, chenapan, t'es où? Au sud devait être. Eh oh, les pirates! On vous chope, on attrape, on vous retourne! Allez! Ils sont où les pirates? Ces coquillages soient un peu... Je peux pas monter par là. Où se cache le dernier? Putain, mais il est où le dernier? Vous êtes bloqué dans un coin, tu sais? Sur le bateau, on va voir si j'ai pas oublié sur le bateau. Okay.
Ils sont où? Sur la vigie du bateau? Tu crois? Bah non, y'a personne sur la vigie du bateau. Bien. Hop. Non, y'a personne là-haut. Ils sont où ces cons? Ah, c'est ouf. Il était caché en bas. Salopiova. Tiens, on n'a pas longtemps plus de monstres. Mais... ils sont partis? Biscus, tout le monde. Je coupe biscuit, moi, j'ai faim. C'est bon, vous pouvez revenir. Ah, incroyable. J'ai bien les yeux en face des trous. Il n'y a plus un seul monstre en vue. J'ai tout vu depuis la maison où je m'étais caché. C'est lui, il est sorti de nulle part et il a dégagé tous les monstres du village. Oui, j'en étais sûr. Tu as peut-être l'air délicat au premier abord. Délicat. Mais tu as les muscles d'acier, ça m'a frappé dès que je t'ai vu. Merci beaucoup, nous étions désemparés, condamnés à voir notre beau village se faire démolir par ces monstres. Si tu n'étais pas intervenu, ils auraient sûrement réduit ensemble, ce village n'existerait plus sans ton aide. Tu as notre éternelle gratitude. Si tu pouvais donner du pognon aussi, merci. Même qu'il reste encore des maisons qui tiennent, on se retrousse les manches et il va falloir reconstruire. Pas de soucis à se faire, je m'occupe de tout. Les prouesses de ce jeune homme ont ravivé ma flamme d'artisan. C'est extrêmement généreux de ta part, c'est racier. Alors, que rien ne t'y oblige, tu n'es que le passage ici. J'aimerais beaucoup te récompenser, mais tu imagines bien que vu l'état du village, c'est impossible pour le moment. Dès que notre village sera reconstruit, tu verras qu'Ekarai c'est faire preuve d'une hospitalité comme on en voit peu. Et tu nous as rendu un très grand service. Nous ferons sorte de rendre au centuple. Écoutez tous, il y a fort à faire pour remettre cet état. Un village d'état, Bob. Je commence à fatiguer. Mais si on s'y met tous, on y arrivera. Je compte sur vous. Ok, c'est bon. Bon, on travaille. Si tu veux. Est-ce qu'il parle? Je vais t'aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a d'ailleurs 20 boisseaux de riz. Alors, est-ce que j'ai des boissons de riz déjà? Herbe d'Hyrule. Herbe Volt. Non, j'ai pas de boissons de riz. Et attends, qu'est-ce qu'il faut? Alors. Une grande quantité. Et combien c'est quand? Et c'est combien une grande quantité? Ouais.
Alors, 15 rondins. Ok. Oh. Mohawk. Ok. Et en plus, il veut pas de palmier, putain. On pourrait faire au moins le bois. Il y a des arbres. Ok. Ça coupe pas assez. Et... Alors déjà 5. Six. Attends, on va mettre un masque qui m'emmerde pas. Mais en tout cas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, attends. C'est cool. Repose-toi bien. Et puis à plus tard. Tout pareil. Allez, viens vous coucher dessus, je vais pas tarder à arrêter là. Un peu du bois et puis je coupe un peu du bois et on va s'arrêter là. Non non non, allez, reviens ici toi. Alors.
Allez, on descend ça. Bonne nuit les gars. Passez une bonne nuit, merci d'avoir été là. Hop. Aïe. Alors. Il est où Jean-Michel ? Encore. Mmh. Ah. Plus que 6. Ah. Mmh. Ah. Alors. Là j'en vois encore un. Il y a des coffres dans l'eau. Allez, 2, plus 4. Oh là là là. Ah. Ah. Oui. Allez. Plus que 4. On va pas faire tout entier, on fera juste les rondins de bois ce soir et je sais pas. Parce que le riz c'est chiant à trouver. Ah, ah, ah. Là je crois qu'il est assaut, il y en a là. Là il y en a là, tu vois. Ça. Ok. Allez, vas-y, je t'en prie. Allez, du riz. Vous n'aurez pas à proximité du riz quand même. C'est jamais où on trouvait du riz. J'en avais acheté la dernière fois à Cocorico, je crois. Peut-être y retourner en fait. Hein. Hmm.
peut-être visiter vite fait le puits. Ah. Bon, rien là. On va s'arrêter là. Oui, mieux. On va s'arrêter là, récupérer 3 bananes là. Et la prochaine étape, bah, on ira chercher bah, le riz. Et parce qu'elle préfère rester toute seule. Et on ira chercher le riz. Et le sanctuaire qui se trouve là. On se fera quelques sanctuaires. Et puis un petit coup de sauvegarde. Action spéciale. On va penser à aller battre Ganon. Aussi. Voilà, on se quitte avec Link. On met un peu de musique. Nous, on va s'arrêter là. Donc, on va aller voir qui est en live. Qui c'est? On a un petit Lapinou qui est en live. Est-ce qu'il est encore en live, Lapinou? Ouais, Lapinou est en live. On va regarder chez lui. Allez, on va lancer un petit raid chez Lapinou. Voilà, c'est ça. Je vous fais des bisous. On va s'arrêter pour une minute. Attends, voilà. Copier-coller. Faites un bisou aux copains. Bonne nuit. Hop, c'est parti. Est-ce que c'est... Hop. Est-ce que c'est lancé? Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ok, ah c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ah ouais. Et donc un petit merci aux copains qui étaient là, à Dr. Jones, à Papy et à Calmandris. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée. Et puis amusez-vous bien. Alors attends, comment ça se passe? Combien de temps je stream? Je sais plus. Je ne sais plus, je ne vois plus un peu rien. Ouais, moi je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Bye bye les copains. Ciao.